Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un outil d'intelligence artificielle que j'ai récemment connu et il m'a tellement impressionné la première fois que je l'ai pris en main que je décide aujourd'hui de vous en faire une vidéo pour vous partager ce nouvel outil et voir un petit peu les prouesses qu'on pourra avoir avec l'intelligence artificielle dans les mois ou les années à venir. Ça va bluffer et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Julien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour la mettre en place dans ses activités en ligne et dans son business pour pouvoir devenir beaucoup plus productif et bénéficier de cette vague qui arrive à grands pas et je dirais même qui est déjà là. Alors typiquement, cet outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il va nous permettre de traduire des vidéos. Alors on peut prendre par exemple ma vidéo qui est actuellement du coup en français, qu'on pourrait par exemple la traduire en anglais, en italien, en espagnol, et ce dans un but de exporter son contenu à l'international, à l'étranger, prendre son contenu et pouvoir parler à d'autres cibles, enfin du moins à d'autres nationalités qui seront potentiellement aussi des cibles intéressantes pour votre business. Et ça on l'a vu avec le cas MrBeast, le plus gros youtubeur au monde n'a pas manqué d'exporter son contenu dans à peu près toutes les langues qui puissent exister, et on a bien vu qu'il y a des chaînes françaises de MrBeast et bah en fait partout où est-ce qu'on peut aller, par exemple en Italie, en Espagne, il aura aussi des chaînes YouTube. Et ça, ça aurait pu être simplifié à votre échelle grâce à cet outil. Voici donc l'interface de cet outil qui n'a rien d'autre que Rask.ai. Alors, d'après mes sources, il n'est pas encore très connu, je l'ai connu rapidement sur Twitter et il m'a impressionné. Et pourtant, il devrait être le plus connu parce qu'il est très puissant, comme vous allez voir, on va faire un test. L'interface est plutôt simple, on peut voir qu'en haut à droite, il y a 0 sur 1 free vidéo, ce qui veut tout simplement dire que j'ai le droit à un test. J'en ai déjà fait sur d'autres comptes, mais on a le droit à un test en démo et vous verrez que c'est largement suffisant pour goûter au résultat pour pouvoir ensuite acheter l'abonnement si jamais on en a besoin en tant que créateur de contenu par exemple. Alors pour ce faire, on va cliquer sur Upload Original Vidéo et là on peut voir qu'on peut coller un lien YouTube directement. C'est très pratique. Ou sinon, on peut directement déplacer une vidéo et upload une vidéo sur le site internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ma chaîne YouTube et on va prendre une vidéo. Par exemple, je ne sais pas, une vidéo un peu courte, voilà, celle-ci avec 6 minutes 40, hop, clic droit, copier l'URL, et là, on va mettre la vidéo, je pense qu'il est en train de chercher la vidéo, ok, donc c'est prêt à être traduit, on va mettre projet test, et en anglais. On pourra le faire aussi dans d'autres langues, voici toutes les langues qu'il y a disponibles. Alors, je trouve ça énorme. Bon, je vais mettre en anglais, comme ça on aura un résultat. Bon, on imagine que la machine est vachement entraînée en anglais, donc on va rester sur de l'anglais. Donc, on a juste à faire Translate, et là, on va pouvoir avoir un petit temps de chargement, voilà, qui va arriver jusqu'à 100% avant que la vidéo soit entièrement traduite. Et vous allez voir, ça vaut le coup d'attendre. Parce que j'ai testé, comme je vous ai dit, juste avant, il y a quelques jours, cet outil, j'ai été bluffé. On est presque arrivé à la fin du chargement, ça allait relativement vite. J'ai à peine attendu 3 minutes, je dirais, ça va quand même vite. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement long, on n'est pas sur un rendu Sony Vegas d'une vidéo de 40 minutes. Je peux vous assurer que ça va très très vite. 99%, et on arrive au 100%, on arrive à terme du téléchargement et on va pouvoir analyser le résultat ensemble. Alors, je mets mes écouteurs et on va analyser ça tout de suite et on va faire en sorte, bah, déjà de voir le début de la vidéo originale. Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action pour payer cet abonnement de 24$ par mois? 24$ par mois. Ok, donc on a entendu, bon, on sait, on connaît ma voix. Ok, donc ça fait toujours bizarre de m'entendre parler en anglais. So it may free, accessible to everyone and very efficient. And I'll join you, but I'll explain the advantages of paying the subscription. Is it for you or not? And concretely, what made me take action to pay this subscription of $24 per month? $24 per month is the smallest subscription at BasicFit when converted. Donc on peut voir que c'est synchro, on a entendu 24$ par mois, c'est synchro avec l'image. Après, évidemment, il y a quelques petites choses qui ne vont pas aller. Par exemple, au début de la vidéo, je ne sais pas pourquoi, ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi. En résultat gratuit, enfin en test gratuit, on aura jusqu'à 1 minute. Et à un petit moment dans la vidéo, il y a une petite voix qui dit bah, que c'est généré par tel outil. Voilà, une petite pub, un petit marqueur sur la vidéo. Et en tout cas, on peut entendre que la voix quand même... Ça me trouble parce que j'ai un anglais mais complètement éclaté, il faut se le dire, et jamais j'aurais eu cet accent tout simplement en me forçant à parler anglais. Et mon vocabulaire a été très limité également. Alors là, ça peut nous permettre des choses assez intéressantes. Cependant, il va falloir noter qu'il y a encore des choses qui dérangent un petit peu. Moi, ce que j'aime pas avec l'intelligence artificielle, c'est les gens qui prennent
GPT, qui disent à GPT écris-moi une vidéo, qui prennent le texte, qui le foutent sur une voix synthétique à la Valek Norage qu'on connaissait il y a des années, et qui mettent des petites images à la con, un truc, bah en fait c'est déshumanisé complètement, et en fait on ressent rien quand on regarde les vidéos, c'est plat, on a l'impression que c'est un robot qui parle, c'est nul. Alors que là, on aura l'avantage d'avoir une voix qui est très correcte en termes d'élocution, et même d'intonation, et également, moi ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a quand même un air de ma voix, un air assez similaire, voire très similaire, et c'est perturbant. Et on peut noter quelque chose qui est très fort, c'est qu'il y a une dissociation qui est faite entre la musique de fond et la voix. Alors, je me demande comment c'est fait, parce que, tout simplement, moi je vois que sur la timeline de Sony Vegas, je mets le son, je mets ma voix, et je vois que ça parle par-dessus, et le fichier original, donc sur YouTube, et bah c'est qu'une timeline. Et en fait, l'intelligence artificielle arrive à dissocier le son de ma voix et reconstituer tout ça normalement dans le plus grand des calmes. Ok, bon, on peut voir que par exemple, la traduction de base, j'ai payé GPT+, ça l'a traduit par I paid and I farted more. Donc on peut voir que, bon, il y a des petites choses, après c'est normal, hein. Même sur la retranscription YouTube, il n'y a pas une précision telle, une différenciation entre le contexte, si c'est de l'IA, c'est GPT et c'est pas GPT. Enfin bref, dans tous les cas, même comme ça, on comprend. Évidemment, il y a des petites erreurs. Alors là, ce n'est pas la seule erreur que j'y vois avec cet outil. Évidemment, là, par exemple, le sens de la phrase, de la première phrase, est complètement dénaturé. Il y a des choses à améliorer, évidemment. Et il y a des versions qui vont, voilà, Lip Sync Early Access. Donc, on va pouvoir avoir en avant-première, en pas payant l'abonnement, à une synchronisation des lèvres et des mots. Alors, c'est tellement complexe. Mais cette complexité pourrait peut-être nous faire passer un cap supérieur dans les outils d'intelligence artificielle permettant de traduire des vidéos de français à anglais. Par exemple, ma chaîne YouTube IA, peut-être que je peux la prendre en entier et en faire une chaîne IA version anglaise, version espagnole, italien. Je veux dire, les limites, enfin, il n'y a plus de limites, en fait, il n'y a pas besoin de payer des doubleurs ou quoi. On va faire des choses incroyables, j'en suis sûr. Et comme vous voyez, ils le vendent bien leur abonnement parce qu'on pourra aussi modifier les textes. Alors par exemple, là, s'il y a une faute, je pouvais tout simplement la corriger moi-même. Accéder à 6 voix différentes proposées par le site internet. Et voilà, en tout cas, je reste quand même très impressionné du résultat et de la ressemblance de la voix qu'on a eue. Ce n'est pas parfait, on n'a pas une synchronisation des lèvres. Ça, c'est la fonctionnalité qui est censée arriver dans pas longtemps. Mais je reste assez troublé par le résultat. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir en description, il y aura le lien vers mon PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. C'est un PDF qui regroupe des outils comme celui-ci, qui sont tout aussi étonnants, que j'ai moi-même confectionné parmi une centaine d'outils. C'est-à-dire que je vous ai pris la crème de la crème. C'est selon moi les choses à connaître en 2023 pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et pouvoir prendre en main ces nouveaux outils pour avoir une compétence en or qui va valoir de l'or, évidemment, dans les mois et les années à venir. Je vous invite à vous abonner également à ma chaîne YouTube pour ne pas oublier. Faites-le dès maintenant. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.